été disqualifié. Maintenant, pour la dernière partie de la course, les deux équipes qui restent sont Kylie qui est en première place et Adelaide qui est en deuxième place. Les équipes viennent d'arriver à Boston, elles ont pris le train. Kylie est arrivée à 9h45 à Ingham et Adelaide est arrivée à 10h. Je suis le premier qui est arrivé! C'est où? Là, il est 10h15 et je dois rattraper Kylie. Elle a 15 minutes de plus que moi, mais d'abord, il faut que je trouve l'indice. La route. Bienvenue à Hingham, Massachusetts. En utilisant cette carte, trouvez le parc pour les chiens. Vous allez trouver votre prochain indice au parc. On est au train. Ok. Où est-ce qu'on a tué? Un détour est un choix entre deux épreuves. Le premier choix est de faire un tour de vélo et trouver 4 balles de tennis. Ce n'est pas dur, mais ça prend du temps. Le deuxième choix est de répondre à 5 bonnes questions. C'est vite, mais les questions sont très difficiles. Après que les contestants ont fini, elles doivent revenir ici. Bon, il faut choisir soit le vélo, soit répondre à 5 bonnes questions. Je pense que je vais répondre à 5 bonnes questions parce que ce sera beaucoup plus facile que faire du vélo parce que j'aime pas faire du vélo. Bon, je vais faire 5 bonnes questions. Je vais faire le tour de vélo parce que je suis très athlétique. Oh. Enfin, vous avez trouvé, ça m'a pris super longtemps. Bonjour. Alors, ces questions. Utilise le subjonctif avec le verbe aller. Le subjonctif. Il faut que j'aille à la plage. Qui est le président de la France? Jacques Chirac? Non. Sarkozy? Non. François Hollande? Oui, bien. Troisième question. Quel est le monument le plus connu en France? La Tour Eiffel. Oui. Quelle est la capitale de la France? Bah, c'est Paris, bien sûr. La dernière question. Elles sont faciles ces questions. Hein. Quel est l'événement le plus connu en France pour le tennis? Le tennis? Oui. Le tennis en France. Je suis fatiguée. Il faut que je trouve encore une balle. Ok, attends. 2 minutes, attends. Est-ce que c'est pas le Tour de France? Non. Ça va. Attends, je m'en souviens que quand j'étais jeune, regardez toujours le Roland Garros. Le Roland Garros. Oui, oui. Ouais, voilà, l'indice. Oh. Ok, attends. Viens. Merci. Alors. Ah.
route. Allez à l'école primaire qui s'appelle Foster. Allez au cours de tennis pour trouver votre prochain indice. Bon, je dois y aller, hein. Besoin. Et voici l'indice. Je sais. Il faut que j'y arrive le plus vite possible. Pour aller à Foster, il faut essayer de trouver quelqu'un pour m'emmener, comme un taxi ou. Non, en fait, je pense que je vais faire de l'autostop. Je vais en faire. Maintenant, c'est le barrage routier. Les deux filles joueront contre les deux professionnels de tennis. Adélie jouera contre Edouard et Kali jouera contre Mathilde. Personne n'a pas pu me conduire, alors j'ai dû courir. Il faut que je me dépêche pour l'attraper. Bientôt fini. Maintenant, venez devant l'école. La dernière personne qui arrive sera éliminée. Ah, je vais pas y gagner. Vous avez gagné la course incroyable. Vous venez de gagner $1 million. Yeah. Oui, j'ai gagné. Avec cet argent? Je pense que j'irai en Afrique l'année prochaine et je vais donner tout mon argent aux enfants en Afrique parce que tu sais, il y en a beaucoup qui sont malades et ils ont besoin de l'aide, alors
ce que je vais faire. Mais je vais aussi garder beaucoup d'argent pour l'université, pour ma famille. Et voilà. Alors, merci beaucoup pour tout. Merci. Oh. Je suis désolée que vous avez perdu, mais comment est-ce que vous vous sentez? Je suis malheureuse, mais j'aurais dû être plus vite. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais retourner à l'école et dans le futur, j'espère que je gagnerai une compétition comme celle-ci.